c'est Fireflame and Oliver Plasma. Et on est parti pour une vidéo défi sur Hachimiku. C'est comme un peu Just Dance, qui sort encore sur Wii depuis 2018. Made in Japan. Voilà. Donc on va vraiment s'amuser, je pense. C'est plein de petits QTE, c'est super accessible par tout le monde. Mais finalement, c'est vraiment de la merde. Donc, vu que c'est de la merde, on va jouer à Resident Evil 5. On va faire le mode The Mercenaries avec un défi inédit que Oliver Cosma va vous présenter. Voilà. Alors, pour l'instant, Firefly a quelque chose à dire de très important dans l'introduction de Resident Evil 5. Vous voyez tous ces gènes, tous ces chromosomes. En fait, c'est très bien adapté au jeu, parce que le jeu parle de maladie. En fait, tout le monde devient des zombies. Donc voilà, c'est une intro adaptée au jeu. Un commentaire constructif. Très constructif. Ouais. Et on est parti pour Resident Evil 5, un jeu qui est sorti en 2009. Et qui a une édition collector bidule chouette Gold Edition sur PS4 en 2016. Et donc, on va dire, les textures un peu rehaussées graphiquement, mais un peu à l'arrache, parce que ça reste quand même, par exemple, les polygones, ça reste un jeu PS3, il n'y a pas encore énormément de polygones. Donc, on va choisir. Donc, le défi. Extra, et le défi, en fait, consiste à réussir. Avoir au moins la note A dans une mission. Alors on va choisir le premier. Pour l'instant, on va pas se faire chier. Oui. En deux essais, c'est-à-dire en deux essais. On aura le droit à deux parties pour avoir cette note. Et précédemment, on avait réussi à avoir A, mais mon boîtier d'acquisition a planté. C'est génial. Du coup, refait. En plus, on avait fait un super commentaring avec. Voilà, on a eu 81 180. Oui. Voilà. C'était une super note. Et on espère avoir autant de vues aussi. Alors, il y a pas mal de personnages différents. Il y a Chris, il y a Shiva. Non, il y a Chris, il y a Chris, il y a Chris, il y a Shiva, il y a Shiva, il y a encore Shiva. Il y a Jill Valentine. Jill Valentine. Wesker. Wesker. C'est vraiment très. Et encore Chris, oui, le retour. Oui, mais il... Chris, mais Made in Mad Max, là, en mode Rambo avec son. Sa sulfateuse. Il change de personnalité, les personnages, c'est très intéressant. C'est vraiment très intéressant. Ça permet de. Et il y a encore Shiva. De la vie du jeu. Mais moi, je vais prendre quand même l'infirmière Joël. Oui. C'est quand même pas rien l'infirmière Joël de Resident Evil, puisqu'elle a quand même deux sprays. Et c'est très intéressant. Elle a aussi deux gros melons. Mais et ça c'est secondaire. C'est secondaire par secondaire. Rapport au gameplay. Mais ils sont pas mis en valeur contrairement au personnage à droite. Effectivement. Donc c'est parti. Les temps de chargement sont assez courts. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour cette version PS4. Sur PS3 c'était bien plus long. Alors, on va passer. Allez, donc on est parti. Donc Firefly est en bas, moi je suis en haut. Alors, moi je suis un joueur assez honorable, hein. Je me débrouille comme je peux. Et Firefly évidemment est un PGM, c'est le spécialiste de Resident Evil. Il le dit tellement bien ce. Et qu'est-ce que ça veut dire, Oliver? Il dit Resident Evil. Comment? Avec ton accent magnifique. Qu'est-ce que ça veut dire PGM Alors PGM veut dire Pro Gamer Master. Oui. C'est vraiment. En fait, je l'avais déjà dit, j'avais déjà posé cette question dans la précédente oui. vidéo, mais je la repose pour faire un peu plus de commentaires. On refait le même truc. Ouais. En fait, vous ne savez pas, mais on se fait pas chier, on refait le même commentaire qu'avant. Et avec quelques changements. Ça se peut que je fasse une blague de cul pendant cette vidéo. Parce que je l'avais fait précédemment, mais ça dépend de mon humeur. Et mon personnage, Rebecca, se la joue à la Zidane. Elle a quelques attaques un peu reprises de FIFA 2003 et c'est stylé. Alors comme le penalty là, c'est une espèce de coup de pied à la Ronaldinho, pour ça. Quand l'ennemi est par terre comme une merde.
coup assez fatal. Il peut faire un coup franc, voilà, c'est le personnage le best par, sponsorisé par EA. FIFA 2003. Donc là aussi, la particularité de ce mode mercenaries, et là, c'est qu'on doit avant tout gagner du temps au début et récupérer du coup par-ci par-là les chronomètres qui sont disséminés un peu partout. Donc, sachant qu'il y en a un en bas. Ouais. Et Firefly essaye de zigouiller du zombie pendant ce temps. C'est plutôt pas mal. Non, il essaye beaucoup pas, de coopération. Il réussit, je pense. Il n'y a pas trop de combos là. Ah si, le combo commence, attention. Il se passe des choses. Ah, ouais, mais là, la femme noire a esquivé mes attaques. Il esquive quand même pas mal. Hein. Et comme le disait Fireflav, c'est vraiment le premier niveau ici parce qu'on combat contre des femmes. Donc c'est quand même des personnages, des ennemis moins puissants. Oui, ah. Effectivement. Par la suite, on est contre des gros blacks. Dans un autre niveau où c'est plus compliqué, où un mec avec son hache là, qui va arriver d'ici peu dans ce niveau là. Il faudra plus l'éviter que le combattre, je pense. Oui, ou sortir le Striker de Rebecca. Oui. Striker qui est la meilleure arme de Resident Evil 4, et qui est aussi la meilleure arme, enfin le meilleur fusil à pompe, et qui est aussi le meilleur fusil à pompe de ce jeu là, Resident Evil 5. Il faut savoir que à chaque tir, le personnage ne recharge pas l'arme, contrairement à la plupart des fusils à pompe. Mais en plus de ça, on peut contenir beaucoup de balles. Enfin, je crois que celui qu'elle a de base, elle a 10 balles. Je m'en sors plutôt mal parce que j'ai pas beaucoup de vie au niveau. Il faudrait peut-être m'en redonner un peu. Oui, il faut arrêter. C'est intéressant. Voilà, L1 pour regarder où est notre partenaire. Je pense que je suis pas loin parce que j'ai entendu bénéficier. Ouais. Voilà, petit coup du spray. Petit déo. Et c'est parti. Petit déo pour mieux sentir devant les zombies, c'est quand même... H48. C'est un rencard. Hein. 48 heures sans se laver en jouant à Resident Evil 4. 5. Devant des zombies qui se lavent. Ah, aïe, il arrive. Moins que nous. Il y a un mec avec un marteau là, que je me barre. Aïe. C'est le diable en personne. Oulala, là là, il est motivé là, il fait n'importe quoi. Là, il est énervé. Je crois que tu l'as énervé, Fireflame. Voilà, je l'ai tué. Il était en mode berserk là. Je sais pas ce qui se passait. C'était le mode adrénaline là. Ça se passe plutôt bien, on est à ouais, 34 000, faut vraiment essayer de viser le A là. Ouais, faut viser les 80 000 points, je pense, pour être sûr d'avoir un A. Et bien sûr, faites-nous un don Twitch pour pouvoir avoir plus de temps pour faire un magnifique S. Voilà, évidemment. Tout à fait. Et vous pouvez faire un don aussi à Firefly pour qu'il fasse une nouvelle vidéo. Si vous donnez 1000 euros au niveau du don, Firefly pourra vous faire un nouvel épisode de Rome Total War. Oui, et bien sûr 100 000 euros pour une série complète de 5 épisodes. Voilà. Ça fait un peu trop, mais voilà, c'est juste pour le plaisir. Alors attention, les araignées, c'est les pires ennemis de Firefly. Mais alors que je dis ça, je me fais avoir par une araignée. Ouais, je vois Ed sur mon écran. Ah voilà. Alors faut pas hésiter à beaucoup utiliser le Striker parce qu'on a beaucoup de balles. On a quand même 100 il me semble au début. Sachant que le Striker contient 10 balles quand même de base, c'est assez énorme. Dans Resident Evil 4, on peut en avoir jusqu'à 100 dans le chargeur, donc bon, c'est pas réaliste, mais bon, c'est Resident Evil. Merde. Ah, tu es. Merci. De rien.
Alors le gameplay peut vous paraître un peu vieillissant si vous ne connaissez pas la licence. Car oui, on ne peut pas bouger dans ce TPS, on peut pas bouger quand on est en train de viser. On peut pas avancer. Voilà. Ça change de GTA. Voilà. Mais d'un côté, moi je trouve ce gameplay assez addictif. Mais je pense qu'on s'y fait assez rapidement au mode de visée. Moi aussi. En tout cas, moi je m'y suis fait assez rapidement. Boum, on est à 23 là. Ça déchire. Parce que souvent, il faut garder en réserve les barils d'essence. Parce que ça peut nous être fort utile quand il y a une armada de zombies à nos trousses. Ça peut faire un bon combo. Moi, ce que j'aime bien, c'est surtout le fait de coopérer, de s'aider mutuellement, qu'il n'y avait pas dans RE4. Ouais, on peut jouer qu'à 1 dans RE4. C'est... Ouais, par contre, là, il y a le gros port. Aïe. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi ce bordel? Ah oui, c'est pas moi. Viens vers moi. Ouais, c'est pas grave, c'est pas moi. Viens vers moi, s'il te plaît. Je sais pas. Ah merde, t'es pris. Ouais. Faut que tu bouges. Ouais, je bouge, hein. Fichtre. On est dans la mer, bon, Crody. Bah ouais. Bon bah on... Au moins vous avez pu voir une magnifique image à la fin. Voilà. Oui, je pense que tout le monde a pu en profiter. Je pense pas qu'on aura le... Bon, deuxième essai. Pourquoi non? Oui, on va faire un deuxième essai, mais je pense pas qu'on aura le A tout de suite, là. Ouais. Tu veux changer de perso? Non. Let's go! Donc, dernière chance pour réussir ce défi Pong. Et aussi, je prie pour que le boîtier ne plante pas à la fin. C'est le truc qui me stresse le plus. Il faut garder cette trace de... Une trace de notre exploit. Quand même. Je vais montrer ma skill légendaire et la skill absolument incroyable de Fireflame. Moi, ouais, elle est pas légendaire. C'est limite un speedrunner Fireflame. C'est pas une skill légendaire, c'est une skill réelle, véritable, réaliste et présente aujourd'hui pour vous. Vous avez vu que moi je me suis fait avoir comme un noob par le gros. Fireflame a eu la bonne idée de s'enfuir. Oui. C'est une technique. Faut savoir être lâche des fois pour. Une technique de survie assez haut niveau. Pour conserver ses chances de vaincre et son ennemi à la fin. C'est comme dans Star Wars. Enfin, je veux dire un peu, c'est comme dans Star Wars pour toutes mes phrases, mais c'est normal. Fireflame, tu joues? Oui, s'il oui. te plaît. Alors là, c'est passé exactement la même chose dans la première prise. Ah oui, c'est vrai. Sans s'en rendre compte. Ah purée, le combo, ouf. J'ai tenu le combo. C'était juste. Il faut absolument le tenir parce que le A, il est assez hard à avoir. Enfin, A2, il est assez dur parce que faut avoir beaucoup plus de points qu'à 1. Ah oui, mmh. Ben, c'est logique. Hein, ça. Oui. C'est trop facile. Hein. Alors, zigouille quelques ennemis. Moi, je cherche le chronomètre. Enfin, quoi que. Ah, purée. Fichtre. Ah non, il est toujours là le chronomètre. C'était plus. Ah, un œuf pourri. Bon, je m'en fous un peu parce que bon, à chaque fois je me loupe quand je le balance. Ouais, tu penses pas que ça fait perdre beaucoup de PV? Ah, ça peut peut-être tuer un gros en un coup, hein, je ne sais pas. Prends ça! Bon, ok, ça a rien fait. C'était très efficace. Ah, talent 2, on est bien parti. Ah non, c'est toi. Oui. Oui. C'est normal, je suis plus fort que toi, donc je t'aide plus. Oui, moi je suis quand même l'infirmière Joël. Ah oui. Je vibre mieux... Pour soigner. Pour soigner, voilà. Pour soigner mes coéquipiers qui sont dans la mouise. Le problème, c'est que c'était moi qui étais dans la mouise avant. Alors, j'utilise pas trop le fusil à pompe.
Mince. Oh la classe. Mince. Quel skill? J'ai eu un skill avec le. Avec le choix d'armes tout à l'heure. Ah. Je sais pas si ça compte. Oulala, ça explose. Ah la Michael Bay là, attention. Ah d'accord, carrément. Le parasol qui tombe, attention, il y a de la physique là, c'est mieux qu'Half-Life 2. Il est encore. Merde. Ah, il arrive, je le vois, je le sens. Le gros. Ah purée, il a un radar Firefly pour les gros. Non mais je le par contre il n'a pas de radar pour les araignées. Ça arrivera peut-être dans le prochain DLC. Peut-être, oui. Mon cerveau n'est pas encore à son maximum de capacité, j'ai encore une marge de progression. Ah purée, il fait son attaque de la mort. Merde. C'est compliqué. Attends, vite. Pars. Voilà, je suis en train de les cramer du coup. Merde. Crody. Ouais mais t'es pas loin. Je te fais confiance. Je sais pas. Merde. Bah non bah voilà. Putain mais. Fait que, c'est pas possible. Un sacré PNJ qui te. Bon bah. Tu. Oui. Bon, un PNJ à deux balles qui arrive d'un coup. En fait on s'est trompé dans le défi, c'était plutôt trois chances. Donc on a le droit à une troisième chance. Bon, on va dire que si on gagne, à la troisième chance, au moins. On est moyen, ouais, on va dire. Voilà. C'est soit bien, soit moyen, soit nul. Oui. On va être moyen. Par contre, plus on continue la vidéo, plus on a peur que la verre média plante. Et donc, ça sera une vidéo pour rien. Ah, je pense qu'il plante au bout de 5 minutes en réalité. Ah, c'est encore moi qui est mort. Hein. C'est pas possible. Je suis pas assez prudent hein, avec le gros lard. Faut s'enfuir, Oliver. Non. Et il a vraiment une bonne portée, quoi. Il te touche à 10 mètres quoi. Avec son âge de ouf. Le fou furieux. Alors, penalty. Je vais encore éclater une bouteille à la prise d'un. D'un quoi. Après, je me débrouille mal. Je pense que 10 balles dans le cœur, au bout d'un moment, faut mourir, monsieur. Alors, est-ce que. Il y a un chronomètre par là. Faudrait quand même se souvenir des spots des chronomètres, là. Ça ils sont postés, excusez-moi. Après, on garde pas les combos, là. En même temps, moi j'ai un ennemi tous les 50 mètres. T'as un pauvre PNJ, bon salut. Un pauvre ennemi, sans défense, qui fait la même chose que les PNJ, c'est-à-dire rien faire. Ah merde. Ah là, il y en a pas mal par exemple, je vais utiliser ça. Ah voilà, on passe quand même de 5 à 8, c'est 3 d'un coup, ça fait plaisir. Le problème, c'est qu'on va pas garder le combo. Voilà. Est-ce que le chronomètre d'en haut il a été pris, il me semble. Le chronomètre là-bas. Celui-là. Ah oui, le poulet m'a attaqué. Hop. On peut se faire attaquer par des poulets, c'est l'évolution de ce Resident Evil. C'est quand même plus réaliste. Personne n'est votre ami sur ce jeu. Ils sont tous vos ennemis. Même l'environnement. Ah, voilà. Là, il y en a plus. Niveau timer. Ah purée. Voilà. Moi j'ai quoi. Voilà. Attends sagement toi à côté. Voilà. Je suis en train de me soigner tranquille. Ok, il n'y a personne. On n'est pas au stade. Oui. Combos.
c'est pas mal. 16, 17. Et... Non, pas 18. Si, 19. Faut au moins avoir 30. 20. Ah non, il y a le gros dur là, donc... Ah, il est juste derrière un timer. Et en plus, là, je suis mort. Oliver. Oui. Help me. Ah, mais putain, il nous attaque là. Oh, je suis en train de soigner mon... 5. Je suis en train de soigner ma coéquipière là, c'est bon. En fait, faut s'échapper. Là. Une chose à la fois, mon gars, une chose à la fois. Non, mais faut que j'utilise aussi un peu mon fusil à pompe. Le problème, c'est que ça... Oui. Voilà. Ça, c'est bien, parce que ça le fait tituber. Alors que moi, ça le fait pas tituber, mon fusil à pompe. Voilà. Et là, il est mort. Le problème, c'est que... Il est mort, mais il va y en avoir un deux secondes après. On est à 40 000, mais j'ai l'impression que là, c'est dur. Mais il y a encore un timer. Là, je trouve un timer. Bah, il était juste derrière le gros... Ah oui. Il était là. Moi, j'ai pas osé l'affronter. Bah, normal. Bah, moi, je l'ai tué avant. Je me suis fait tuer deux fois par ces gros lards, donc bon. Oliver Plasma contre-attaque. Je ne peux plus. Je l'ai tué avant. Je ne regarde pas mon environnement, je m'en fous. Parler comme un pro. Je tue principalement le monstre. C'est une réelle menace. Il y a des moments où faut pas sous-estimer ses adversaires. Bah, j'ai plus de vie là. Le PGM Fireflav a tout compris. Mais il a plus de vie. Ah. J'ai une araignée en plus qui me pompe le dard là. Ah, vas-y, ah, oui. sauve-moi. Oui. Je suis où là? C'est chaud. Vas-y, colle-toi à moi, sauve-moi. Non mais c'est bon, allez, je t'ai soigné. Bon. C'était bon en fait. Trop de stress. Voilà. Il mieux peut-être rester à deux des fois. Penalty! Non, je pense que là il n'y a plus de timer, du coup il vaut mieux rester à deux. Ou Ah, il me reste plus de. J'ai plus de trucs pour soigner. Faudrait que je trouve quelque part des soins. Si on est vraiment dans la merde. Merde. Son chou, on s'est transformé en. Ah, une herbe. C'est déjà pas mal. C'est pas aussi bien qu'un spray, mais bon. Ah merde. Aïe. Brûlé. Elle perd pas beaucoup de vie, pourtant elle est presque à poil et elle est brûlée. C'est bizarre. Ouais. Merde. Ah, un œuf, mais c'est un œuf pourri encore. Et il y a un gros. Non, merde, putain. J'ai rechargé au mauvais moment. T'es où? Merci. Ouf. Bien joué. Attends, j'aurais voulu bugger. Attends, faut en profiter, il est bugué. Donc, il était bugué pas longtemps. Ouf. Ah oh, putain, les araignées, ça devient chou là. Hop. Ouais, je vais être. Il est juste à côté de moi. Oh là là, Fireflav, Fire Steel. Fireflav. Là, je peux me la péter. Oh. Oh. Oui. Oh, il a disparu d'un coup. D'accord. Là, le A, il sera pour lui, je pense. On va bientôt être moyen. Il se passe des choses là. Il se passe des choses. On détruit des mecs avec des cocktails Molotov. Il se passe des choses. C'est comme dans GTA. Oh, et j'ai chopé un spray. Oh. Je peux te soigner à tout moment. Voilà. Merci. Je vais participer à cette victoire. Là, j'ai plus beaucoup de balles. Là. C'est assez rare que j'ai presque plus de balles avec mon fusil à pompe. On avait plus rien. Mais bon, il n'y a que 26 secondes. Donc, y a plus personne. C'est quoi ce bordel? Il n'y a plus personne. Ah bon, on les a tous défouraillés. Hein. Je pense pas qu'il y a de quota. Ouais. Voilà, cette skill. Pou, il y a un gros carré, mais c'est bon. Vous avez vraiment fait incroyable ça à deux. Vous avez vraiment fait ça à deux. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes toute une armée. On peut pas jouer à trois. Donc, oui, c'est un peu compliqué. Donc voilà, 90 000 points. On a presque rempli le défi.
pratiquement. Oui, sauf qu'on a été des joueurs, on va dire, moyens, parce qu'on a triché un peu. Voilà. Mais j'espère que cette vidéo vous aura donné du plaisir pour toute votre journée. À la voyure. Pour de nouvelles aventures. Avec Fireflame. Et Oliver Plasma. Et Oliver Plasma.